de Kettelaar qui vient dans cette zone tout à fait libre. Ça, c'est peut-être intéressant. On vient chercher Trésor très remuant depuis le début de la partie. Pas mal fait ça avec Salemakers. On laisse jouer les Diablotins. Trésor croque un petit peu sa frappe. Dommage. Bien joué. Bien joué. Vraiment première action intéressante là, qui part des pieds du meilleur pour le moment. C'est celui-ci, c'est Trésor. Oui. C'est une espèce de long passé suivre, hein, comme ça, regardez. Ouais. Et il va passer, il va passer, il est accroché. Ah ben si, il y a faute, il y a carton et les Allemands sont à 10. Hein. Ça bouge. Bien sûr, excellente décision. L'Allemagne réduite à 10 avec cette exclusion de Pieper, surpris par la vitesse, ouais, hein, de Loïs Openda. Ouais, ce qui est super sur cette action, c'est, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, la permutation entre De Ketelaar et Salemakers. C'est vraiment ça qui a permis en fait, d'avoir le petit temps d'avance pour ensuite derrière donner ce super ballon au Openda. De Ketelaar, Oumak Trésor, c'est superbe. Oh là là, qu'il est beau ce but. Mike Trésor pour faire 1-0, c'est la double sanction là pour les Allemands, l'exclusion et la punition sur ce coup franc direct à lui, Grill, là pour le coup, il a les gants brûlés. Ouais, hein. Je crois qu'elle est quand même centrale, enfin je pense qu'il peut la sortir, il part un tout petit peu trop tard, il pousse un peu tard Vincenzo. Son mieux c'est d'aller retourner vers lui, un petit peu sceptique. Voyons ça, ça passe au moins pour Mécha. Pour moi, il peut la sortir. Alors, attention à ce coup de coin, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un pénal, effectivement. Qui a commis cette faute? C'est Peters. Ouais, je l'ai vu tout de suite, j'avais mes yeux vraiment rivés sur lui. Et c'est la deuxième fois, déjà tout à l'heure, il a réussi à l'avoir comme ça. Il avait été limite. Mais ici, il lui tire le maillot. L'Anderlechtois face à Miles Villar. Il avait d'ailleurs inscrit un pénalty. Oui. Mécha qui s'élance. Ouh, il était parti du bon côté, ce Villar. Ouais, vous avez peut-être entendu son cri de rage, ouais, parce qu'il n'est pas passé loin. C'est un but partout en attendant. Oui, dommage pour lui. Vraiment dommage pour lui, mais c'est frappé suffisamment fort et excentré pour pouvoir la mettre. 13 oktober naar Moldavië. Laatste wedstrijd in november is in Bosnië-Herzegovina. Maar we lopen vooruit op de zaken. Deze match moet gewonnen worden. De Ketelaar tussen de lijnen. Openda aanspelen had gekund, maar de Ketelaar gaat het zelf doen. De Ketelaar! Oh, Charles, de Ketelaar! Dan mag je het zelf doen als hij het op deze manier doet. 5 minuten hebben we gespeeld in de tweede helft. En Charles, de Ketelaar tussen de lijnen in de pocket. Kijk eens naar de vreugde bij de Belgen. Het is 2-1 voor de mannen van Jacky Matthijssen. Schitterende goal van die jonge Bruggeling. Die ook niet aan zijn beste seizoen voorlopig bezig is. Wat moeite heeft om te bevestigen, maar hier vandaag goed speelt. Snelle balcirculatie tussen de linies. Dan mag hij komen en dan kan hij goed naar die linker van hem plaatsen en perfect. Griel zit hem ook weer niet komen, maar was onderhoudbaar. Mooie goal van Charles de Ketelaar. Letten, want hier is Openda. Is dit een strafschop? Jawel, een penalty voor de Belgen ook. En dan heeft Leitch die overtreding gemaakt op Openda. En nog een gele kaart erbovenop. Voor Schlotterbeck. Schlotterbeck. Geeft die, ja. Oh, het is er buiten, zegt Schlotterbeck. Vlak voor het uur kan België de 3 punten misschien wel al bijna veilig stellen. 3-1. Hij trapt hem zonder complexen rustig binnen. Keeper vertrekt naar de andere kant. 3-1 tegen 10 man, Wim. Dit mogen we nooit meer weggeven. Nee, verder doen zelfs. Binnen het uur 3-1, dat is goed gedaan. De Ketelaar belangrijk ook nu weer. En Openda. Ketelaar met assist naar Openda. De Openda door zijn snelheid. Penalty afgedwongen, al was het er geen. Kijk eens, daar is de assist misschien wel. Uiteindelijk is de goal van Openda. En de assist van Trésor. Krikt zijn statistieken nog wat op in deze wedstrijd. Na 2 doelpunten ook een assist. En Openda zorgt voor 4-1.
Mooie goal, schitterend hier van op rechts opgezet. Oké, Salemakers met de paas en dan het overzicht bij Tresor. Niet zelf afwerken, bal nog even breed schuiven voor de inlopende op. En dat is een hele mooie goal. Komt er nog een vijfde treffer, het schot tegen de paal van Sambi Lokonga. Ja, het zou helemaal te gek zijn geweest natuurlijk. 5-1, maar nee, de paal brengt redding voor deze Lennart Grill. En Sambi, ingevallen bij de rust, baalt.